Mon métier est ingénieur financier. Ça consiste à élaborer de nouvelles solutions financières pour le compte de la clientèle. Cette clientèle est constituée soit d'institutions financières qui recherchent des solutions adaptées à leurs problématiques de placement, de couverture, soit le marché grand public qui recherche des produits de placement un peu sophistiqués pour diversifier son épargne, soit une clientèle fortunée qui recherche des solutions un peu plus dynamiques pour bonifier la gestion de leurs actifs financiers. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est la technicité financière. J'ai fait des études universitaires, maîtrise des sciences de gestion. Enfin, j'ai validé un DESS sur les marchés financiers ainsi qu'un DEA de modélisation financière. J'ai travaillé pendant 5 ans en structuration financière pour le compte du Crédit Industriel et Commercial et depuis 2 ans, j'ai rejoint les équipes de la Société Générale. Lorsque j'arrive au bureau vers 8h30, je parcours mes différents mails. Ces mails me donnent un petit peu la fiche de route de la journée. C'est-à-dire que ça récapitule l'ensemble des prix que j'aurais effectués dans la journée. Ces prix correspondent à des solutions financières qu'on a imaginées pour le compte de notre clientèle. C'est 20 millions. 20 millions, il y a 65% d'index. On évalue ce type de solution financière en contact avec les commerciaux. Les commerciaux nous font part des besoins de la clientèle, nous rapportent les contraintes, les besoins de nos clients. À partir de ces contraintes et en fonction des paramètres de marché qui prévalent au moment de la conception, on imagine une solution spécifique, une solution dédiée, c'est un produit sur mesure. Pour évaluer les risques de cette solution, de ce produit, on communique avec les traders. Donc les traders échangent avec nous sur l'état des risques de la solution. Les commerciaux nous font part des besoins de la clientèle. Donc en fonction de ces différentes interactions, on imagine la solution, on évalue le prix de cette solution, on la communique à notre client. Les avantages de mon métier sont l'émulation collective, puisqu'on appartient à une équipe avec des objectifs, la stimulation intellectuelle, puisqu'on est amené dans le cadre de notre activité quotidienne à réfléchir à de nouvelles solutions. Les moins correspondent à un stress assez important et des objectifs assez contraignants. Les qualités requises pour exercer ce métier sont la rigueur intellectuelle, la technicité et la créativité. Mes objectifs professionnels sont accéder à des responsabilités managériales.